Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de la chasse aux Young Guns. Aujourd'hui, j'ai pour vous une petite tin box, une boîte en étain de Upper Deck Série 2 de 2017-2018. C'est pas la plus grande des QV, mais il y a des joueurs intéressants comme, mettons, Clayton Keller, Nolan Patrick, Colin White, Jesper Bratt. Puis il y a beaucoup de Québécois, ben, je dirais plus deux Québécois intéressants. Il y a Samuel Girard et Samuel Blais. Donc, si je suis capable de trouver ces deux joueurs-là québécois en Young Gun, je serais vraiment heureux. C'est pas mal ce que je vise. Sinon, si je suis capable de trouver les joueurs que je vous ai nommés un peu plus tôt, ben, je vais être content aussi. À l'intérieur de ces boîtes-là, on retrouve 12 paquets et 8 cartes par paquet. Les probabilités de trouver un Young Guns là-dedans sont de une chance sur 4 paquets. Donc, si on fait le calcul, on va trouver à l'intérieur 3 Young Guns. Et ça dit aussi ici là, 2 paquets Bodny à l'intérieur. Je vais voir qu'est-ce que ça donne parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce qui parle de ça. Donc, on va compter les paquets en les ouvrant. Sans plus attendre, allons-y. Cette boîte-là m'a pas vraiment coûté cher, elle m'a coûté à peu près 28 $, donc c'est assez abordable. Donc allons-y. En ouvrant ça, à l'intérieur, on retrouve une carte un peu plus grosse, une carte surdimensionnée de Evgeny Malkin. Donc ma collection de cartes surdimensionnées s'est grossie avec une carte de base de Evgeny Malkin qui est prise à l'intérieur de son emballage. Donc, je ne la sortirai pas pour l'instant, mais voici Evgeny Malkin, une carte de base surdimensionnée. Si on regarde à l'intérieur, ça donne ça. Je ne sais pas combien il y a de paquets, on va y compter tout de suite. On va y sortir comme ça. Donc, comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je ne sais pas de quoi il parlait à propos des deux paquets bonnies à l'intérieur, mais on va y aller sans plus attendre. On va commencer à ouvrir cette boîte intéressante. On va commencer avec Matt Cullen, l'infatigable joueur de centre qui a joué à peu près 20 ans, 21 ans dans la Ligue nationale. On a Sidney Crosby soulevant la Coupe Stanley. On a Roman Josi, le capitaine des Prédateurs. Brendan Gallagher. Gallagher qui a signé un long contrat avec le Canadien d'une durée de 7 ans pour 6,5 millions par saison. Je pense que c'est quand même une bonne affaire pour le Canadien parce que disons qu'il a rendu de fiers services à l'équipe puis capable de marquer 30 buts. Peut-être que la durée est un peu longue puis on sait comment qu'il se donne ce joueur-là, Brendan Gallagher. Peut-être qu'il va subir des blessures, mais à date, il n'a pas subi tant que ça. Donc Brendan Gallagher. On a une marquee rookie de Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois, on peut pas le trouver dans cette série-là. En Young Guns, on le retrouve dans la série 1. Donc, Pierre-Luc Dubois, Marquee Rookie. On a Ryan McDonagh ici, capitaine des Rangers. Devan Dubnyk avec le Wild. Et Aaron Ekblad, tout de rouge vêtu et du rouge en arrière de lui. Justin Williams, Dougie Hamilton. Alechinski dans l'uniforme du Canadien, ça n'a pas duré longtemps, à peu près un début de saison, puis il s'est blessé, puis on l'a pu revu jouer avec le Canadien. Je pense qu'il a joué 8 matchs, quelque chose comme ça. Donc, Alechinski, je pense qu'on a un Young Guns dans ce paquet-là, je vais le garder pour la fin. On a Christian Follin, qui a appartenu au Canadien l'an dernier. On a Riley Smith, David Krejci, Patrick Kane, et le Young Guns, un gardien de but. C'est Maxime Lagacé avec les Golden Knights de Vegas. Maxime Lagacé, c'est un gardien québécois. Lors de la première année des Golden Knights, ils ont eu des problèmes de gardien. Marc-André Fleury s'était blessé. Le deuxième gardien, c'était Malcolm Subban. Puis ils ont dû rappeler Maxime Lagacé d'urgence du club école. Donc, il a amorcé une coupe de match, là. Je sais pas, ça dit pas en arrière combien, mais quand ils ont fait appel à ses services avec les Golden Knights, Lagacé, il a connu quand même des bons moments, il a signé des victoires. Donc, Maxime Lagacé, ici, un Young Guns, bien content de l'avoir trouvé, un petit Québécois Young Guns. On va essayer d'en trouver d'autres là-dedans. On vise, comme je vous le rappelle, Samuel Girard et l'autre Samuel Blais, des Blues de Saint-Louis. Thomas Sertel. Darnell Nurse, le défenseur des Oilers. On a Robin Lehner qui est maintenant avec les Golden Knights. On le voit ici avec les Sabres de Buffalo.
On a Oscar Klefbom, le défenseur, pas mal un des meilleurs défenseurs des Oilers d'Edmonton. Ici, on a un Young Gun Canvas de Owen Tippett. Owen Tippett, il n'a pas été encore capable de s'installer dans la Ligue nationale. Un peu décevant, je dirais. Il est peut-être rendu pas mal au bout des chances qu'on va pouvoir lui donner. Ces cartes-là datent de 2017, donc ça fait longtemps là, qu'on lui donne des chances, puis il n'est pas capable de les saisir. Donc ici, on le voit avec les Panthers de la Floride. Il appartient encore aux Panthers, mais comme je vous dis, il est pas mal aux dernières chances. Il a joué dans la Ligue américaine pas mal l'année dernière. Mais ici, on a Young Gun Canvas. Donc, Owen Tippett. On a Eric Goodbranson, qui est maintenant un membre des Sénateurs d'Ottawa. On a Kyle Connor, celui qui s'est développé en marqueur de 38 avec les Jets. Et Evgeny Dadonov, un autre nouveau membre des Sénateurs d'Ottawa. On a Vladimir Sobotka avec les Blues de Saint-Louis. Jordan Eberle avec les Islanders de New York. On a James Reimer avec les Panthers de la Floride. Maintenant, il joue pour les Hurricanes de la Caroline. On a un Upper Deck Canvas ici de Henrik Lundqvist. Maintenant, Lundqvist qui ne joue plus pour les Rangers de New York, qui a signé un contrat d'une saison avec les Capitals de Washington à prime modique. Il va essayer de gagner sa première Coupe Stanley dans la Ligue nationale avec les Capitals. On lui souhaite parce que ça serait plate pour lui de se retirer sans Coupe Stanley. On a ici une carte de base de Mike Green avec les Red Wings de Détroit. Et je crois que Mike Green a annoncé sa retraite récemment. On a Mikael Granlund avec le Wild du Minnesota, encore agent libre. On a Jimmy Howard et Jack Johnson avec les Blue Jackets de Columbus. On poursuit avec Mikhail Zibanejad avec les Rangers. Brian Rust avec les Penguins de Pittsburgh. On a ici Jeff Carter, l'infatigable joueur de centre des Kings de Los Angeles. Et on a une belle carte jersey, de morceaux de chandail de Robert Hägg, le défenseur des Flyers de Philadelphie. Avec le morceau de chandail orange des Flyers. C'est le fun de trouver ça. C'est rare que j'en trouve dans ces. Je ne sais pas exactement les probabilités, je vais les mettre en infographie, mais c'est assez rare de trouver ça dans les. Dans les boîtes en étain, c'est plus dans les hobby box qu'on trouve ça. Donc ici on a Robert Hägg, la Jersey Material, Rookie Materials, c'est une carte recrue donc de Robert Hägg. On trouve ici Andrew Ladd qui a signé un long contrat avec les Islanders de New York, qui sans aucun doute regrette leur investissement. Il a joué pendant les séries cependant pour les Islanders. Et on termine le paquet avec Daniel Sedin. On poursuit avec Ladislav Namestnikov, qui joue maintenant pour les Red Wings de Détroit. On a Colton Parayko avec les Blues de Saint-Louis. On a Alexander Barkov avec les Panthers, le capitaine des Panthers. Et ici, on a un Marquee Rookie, une Marquee Recrue. De chaque année, ça change le nom en français. De Christian Jaros, un défenseur, je pense qu'il est slovaque ou il est slovaque. Le défenseur slovaque. Christian Jaros, qui l'année dernière n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale. Je ne sais pas ça va être quoi son avenir dans les prochaines années. Ici, on a Craig Anderson, qui ne joue plus pour les Sénateurs d'Ottawa. Artemi Panarin, on le voit trois fois sur la même carte avec les Blue Jackets de Columbus. On a ici Ryan Spooner avec les Bruins de Boston et Ryan Johansson avec les Prédateurs de Nashville. On poursuit avec Scott Hartnell avec les Prédateurs en fin de carrière. On a Morgan Riley avec les Maple Leafs de Toronto. Nick Bjugstad avec les Panthers de la Floride. Nino Niederreiter maintenant qui joue pour les Hurricanes de la Caroline. Et maintenant, notre Young Gun du paquet, c'est Owen Tippett avec les Panthers de la Floride. Comme je vous disais plus tôt, il n'y a pas eu encore, il y a eu beaucoup de chances de s'installer dans la Ligue nationale. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je pense que ça va devenir un flop peut-être pour l'instant. On se croise les doigts. Il doit être encore assez jeune. Il avait commencé dans la Ligue nationale à 19 ans. Donc, il doit avoir 21 ou 22 là, ou 23 ans en ce moment. Donc, Owen Tippett, on lui donne encore une chance, peut-être la dernière. Jaden Schwartz avec les Blues de Saint-Louis. Steven Stamkos avec le Lightning de Tampa Bay et Chris Kreider avec les Rangers de New York. Ici, on a
Austin Watson, qui a signé avec les sénateurs d'Ottawa la semaine dernière. On a Jason Pominville, qui a pris sa retraite. Ici, on le voit avec les Sabres de Buffalo. Braden Schenn avec les Blues de Saint-Louis. Il a gagné une Coupe Stanley avec les Blues. On a Cody Ceci, qui maintenant va jouer pour les Penguins de Pittsburgh après un petit passage avec les Maple Leafs de Toronto. Et on a un UD Portrait, un Upper Deck Portrait de Luke Cunningham, qui a été échangé au Prédateur de Nashville en retour de Nick Bonino lors du dernier mois. On a ici Drew Stafford avec les Devils du New Jersey. Gabriel Landeskog ici avec l'Avalanche du Colorado, bien sûr. Et ici, on a Bobby Ryan qui a signé un pacte d'un an avec les Red Wings de Détroit lors de la journée d'ouverture du marché des joueurs autonomes. Donc, Bobby Ryan qui va avoir un second souffle à sa carrière avec les Red Wings. Ces paquets-là, je dirais, pour la facilité à ouvrir, un beau 10 sur 10. Vraiment facile à ouvrir. Ça n'a rien à voir avec les SP authentiques de cette année. On a ici Brandon Montour qui joue maintenant pour les Sabres de Buffalo. On a Marcus Johansson qui joue maintenant pour le Wild du Minnesota. Nick Foligno ici avec les Blue Jackets. On a Mark Method. Je pense qu'il a pris sa retraite. S'il ne l'a pas pris, ben, je dirais que c'est sur le bord de se faire. Marc Bétot, il a eu beaucoup de problèmes avec les blessures lors des dernières saisons. Donc, c'est pas mal la fin pour lui. La fin approche. Ici, on a Radim Verbata avec les Panthers de la Floride. On a Yannick Hansen avec les Sharks de San Jose, qui a joué longtemps pour les Canucks de Vancouver. Alexander Boumistrov avec les Canucks de Vancouver. Et Benoît Pouliot dans l'uniforme des Sabres de Buffalo. Donc, on a un paquet de base ici. On commence ça avec Patrick Sharp dans l'uniforme des Blackhawks de Chicago avant d'aller jouer pour les Stars de Dallas. On a Kyle Palmieri qui est toujours avec les Devils du New Jersey. Shane Gostisbehere avec les Flyers de Philadelphie. Il joue encore avec les Flyers, un défenseur offensif. C'est pas le gars le plus fiable en défense, donc Alain Vigneault est pas tant tenté de l'utiliser souvent. Donc ici, on a Shane Gostisbehere. L'encart du paquet, c'est un Upper Deck Portrait de Martin Netskas. Un peu dur à prononcer comme nom, mais c'est un tchèque. Le C, c'est comme un TS et le S, c'est comme un SH. Un SH, donc Martin Netsash. Avec les. Il joue pour les Hurricanes de la Caroline. On a Elias Lindholm dans l'uniforme des Hurricanes. On a Darcy Kemper ici dans son temps avec les Kings de Los Angeles. Maintenant, il joue pour les Coyotes de l'Arizona. On a Brad Richardson qui a signé un pacte de une ou deux saisons avec les Prédateurs de Nashville. Et Matt Beleski avec les Bruins de Boston. Il nous reste plus que deux paquets. On commence ça avec Eric Johnson dans l'uniforme de l'Avalanche du Colorado. On a ici Mark Scheifele avec les Jets de Winnipeg. On a Dylan Strome avec les Coyotes de l'Arizona. Maintenant, il joue pour les Blackhawks de Chicago. En arrière, on peut voir que c'est Marc-André Fleury qui garde les buts des Golden Knights de Vegas. On a un encart de OPG rétro de Alexander Radulov avec les Stars de Dallas. Fort d'une bonne saison avec les Canadiens, 54 points en 76 matchs. Ici, on a Mathieu Nieto. C'est drôle que je trouve cette carte-là parce qu'en arrière, je vous ai mis dans l'arrière-plan la carte de Mathieu Nieto avec. Je trouve que c'est vraiment la signature la plus loufoque que j'ai jamais vue. Donc, il fallait que j'achète cette carte-là. Elle ne m'a pas coûté trop cher parce que Mathieu Nieto, ce n'est pas un grand joueur de l'histoire de la Ligue nationale. Mathieu Nieto avec sa signature digne d'un enfant de maternelle là, qui fait un barbeau. Donc, cette carte-là était tellement loufoque que je ne pouvais pas passer à côté d'elle. Donc, ici, on le voit ici avec l'Avalanche du Colorado. Il est retourné avec les Sharks de San Jose, soit dit en passant. On a Jussi Jokinen dans l'uniforme des Kings. Tyler Johnson avec l'uniforme vintage du Lightning de Tampa Bay. L'uniforme de quand j'étais jeune. Et Jeff Skinner avec les Hurricanes de Caroline. Maintenant, il joue pour les Sabres de Buffalo. Le dernier paquet, et non le moindre, qui contient probablement, fort probablement, une Young Guns. Je sais pas, on va voir. On a ici Trevor Van Riemsdyk avec les Hurricanes de Caroline. Il a signé un contrat avec les Capitals de Washington récemment. Alexander Wennberg avec les Blue Jackets de Columbus.
On a Niklas Hjalmarsson dans l'uniforme des Coyotes de l'Arizona. On a Nikolaj Ehlers avec les Jets de Winnipeg. Et je me suis trompé, ça a l'air que je me suis trompé. Il n'y aura pas de Young Guns dans ce paquet-là. On va garder là encore pour la fin. Donc, allons-y comme ça. On a Mike Green avec une autre carte de Mike Green. C'est drôle que je trouve deux fois la même carte. Donc, une carte de base de Mike Green, de Mikael Granlund, de Jimmy Howard avec les Red Wings de Détroit. C'est un peu décevant, là, vraiment. D'habitude, les cartes de base, on n'est pas supposé trouver des doubles dans une boîte. Et, comme je disais, Nikolaj Ehlers. Et la carte, une carte recrue, Marquee Rookie Retro de Travis Sanheim, le défenseur des Flyers de Philadelphie. Donc, on va faire un petit récapitulatif des cartes que j'ai trouvées. Une de Marquee Rookie de Christian Yaros. Une carte rétro de Alexander Radulov au Peachy. Une autre Marquee Rookie rétro de Travis Sanheim. Les deux Upper Deck Portraits de Martin Netchas et de Luke Conin. On a le Upper Deck Canvas de Henrik Lundqvist. Le Rookie Materials Jersey de Robert Hagg, un défenseur tchèque. Bien content d'avoir trouvé cette carte-là. Puis les trois Young Guns que j'ai trouvé aujourd'hui, je pense que celle-là elle devait compter comme un Young Guns et non pas comme un Canvas. Donc deux fois Owen Tippett. C'est la deuxième fois que ça m'arrive que je trouve le Young Guns d'un joueur et son Young Gun Canvas dans la même boîte en étain. Ça m'est arrivé avec Taro Irozy avec les Red Wings de Détroit dans une boîte de 2019-2020 de Série 1. Donc là, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est quand même étonnant que j'aille trouver ça. Puis le dernier Young Guns que j'ai trouvé, c'est Maxime Lagacé. Donc merci tout le monde d'avoir été là pour cette fabuleuse ouverture. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de liker la vidéo si ça vous dit. Donc merci d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!